Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Rappold pour un livre écrit à huit mains, Indispensable, un livre paru fin 2021 aux éditions Campus pour Christ. Bonjour Karine. Bonjour. Merci en fait d'être là, d'avoir accepté de représenter en fait vos collègues écrivains. Mais pour tous ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vais me permettre de vous présenter un petit peu. Vous êtes infirmière de formation. Vous avez travaillé comme travailleuse sociale au Moyen-Orient parmi des réfugiés irakiens. Et ensuite, vous avez travaillé quelques années à Campus pour Christ, en tant notamment, je crois, en tant que responsable des cours en e-learning. Et vous avez eu le privilège de développer deux cours en ligne, un qui s'appelle Contrôle Z, un cours sur le contrôle dans les relations, et ainsi que Indispensable, dont le livre dont nous allons parler aujourd'hui fait partie. Actuellement, vous vous formez en tant que coach familial et vous écrivez un livre sur le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui vous concerne en tant que famille. Vous avez quitté Campus pour Christ fin 2021 pour vous dégager du temps, pour rencontrer des personnes et des familles en tant que coach, pour terminer votre formation et écrire ce livre qui, vous l'espérez, sera une bénédiction pour des familles. Vous êtes l'épouse de Manuel, le responsable de Campus pour Christ en Suisse romande, et vous avez trois enfants de 11, 9 et 5 ans. Alors, quand je vois cette biographie, je me dis que vous ne vous ennuyez pas et que, parce que vous faites une formation en tant que coach, vous écrivez un livre, vous êtes une épouse, vous êtes une maman de trois jeunes enfants. Peut-être est-ce que c'est de là qu'est venue l'idée d'écrire ce livre Indispensable? Certainement, vous m'avez bien cernée, Yolande. C'est vrai que je suis une femme passionnée, active, enthousiaste et avec le positif de cette curiosité qui m'amène à faire plein de choses, ben, y a le défi de la gestion du temps des journées qui n'ont que 24 heures. Et c'est vrai que ben, le livre que vous tenez entre vos mains est le résultat d'un cheminement, pas que du mien, vu que je ne suis pas la seule auteure, mais qui est vraiment notre cheminement dans ce monde où je ne suis pas la seule à faire plein de choses, et ben de se dire comment garder la paix, comment trouver les bonnes priorités, comment oser dire non. On va parler de tout ça. Oui, parler de tout ça. Mais justement, quand ce livre est paru là, en fin d'année 2021, je me souviens que quand j'ai vu ce livre, alors... Bah, moi aussi, il m'a beaucoup parlé. Rien que la couverture, une femme qui a plein de casquettes, plein de choses partout, Indispensable, et le sous-titre « Je redéfinis mes priorités de vie ». Et je crois que c'est un petit peu là l'essentiel, hein, c'est redéfinir ses priorités de vie. Alors, si on veut parler un peu plus précisément de ce livre, alors déjà, pourquoi l'avoir écrit à quatre? Pourquoi vous ne l'avez pas écrit seule? Qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, d'avoir été quatre auteurs pour ce livre? Parce que tout d'abord, au début, ce n'était pas un livre, c'était un cours. Et dans la plateforme e-learning e-cours, où on a aussi développé le cours sur le contrôle que vous avez parlé tout à l'heure, on a quelques principes de base. Et notamment trois, le premier étant que nous désirons être plusieurs auteurs, parce qu'on croit que le contenu est plus riche s'il n'est pas amené que par une seule personne, mais qui permet d'avoir des angles différents. Le deuxième point, c'est qu'on souhaite être des auteurs locaux. On croit que même si on bénéficie tous d'auteurs plus connus, plus fameux de différentes régions, eh ben, dans notre région, il y a aussi des personnes qui ont quelque chose à dire. Et c'est aussi l'idée de permettre à ces personnes d'émerger. Et puis, le troisième point qui nous tenait à cœur et que peut-être on va en parler un petit peu plus, c'est de se dire, nous sommes des femmes chrétiennes, nous lisons notre Bible, nous cherchons à plaire à Dieu et nous avons notre quotidien. Et ce que nous cherchons, c'est vraiment à réconcilier, entre guillemets, la théorie de la parole de Dieu avec la pratique du quotidien et de se dire comment est-ce que je peux intégrer ce que je lis dans ce que je vis très concrètement aujourd'hui dans ma vie de femme. D'accord. Donc, c'est plus un peu
Une théologie appliquée. D'accord. Mais alors, si je vous comprends bien, ce livre est à la fois théorique, mais à la fois pratique. Exactement. Donc, sur la théorie, c'est assez facile, mais comment avez-vous appliqué ce côté pratique, en fait? Oui, alors, nous avons cherché à réfléchir comment amener un changement. C'est vrai que j'imagine que je ne suis pas la seule. Mais souvent, quand je lis un livre, j'aime beaucoup lire et j'ai envie de... Voilà, le développement personnel est un sujet qui me tient à cœur. Je lis des livres, je trouve que c'est très bien ce qui est écrit. Je me dis, ah oui, je vais faire ça. Puis après, je ferme le livre, je passe à autre chose. Mm-hmm. Et on s'est dit, on aimerait bien arriver à trouver un moyen de dépasser ça et de vraiment susciter un changement. Et c'est pour ça qu'on a proposé d'abord ce contenu sous forme de cours, pas seulement de livres, parce que notre expérience avec le cours CTRL-Z nous a montré que si on fait, on le lit à plusieurs, en petits groupes, dans un cheminement, où à la fin de chaque chapitre, il y a quelque chose de concret qui est proposé et qui est accessible tout de suite, mm-hmm. ça nous aide à nous mettre en mouvement. Mm-hmm. Et puis, je ne crois non plus pas être la seule, si je décide quelque chose toute seule et que je n'en parle pas à quelqu'un, j'ai des fois de la peine à tenir sur le long terme. D'accord. Et le fait de parler à quelqu'un m'aide à dire, bon, il faut que je fasse. À emmagasiner la chose. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est cette réflexion qui est là. C'est aussi pour ça que dans le livre, ce n'est pas seulement voilà, écrit, mais il y a vraiment aussi un concept au niveau de la forme avec des lignes qui sont là, des questions qui sont posées, de l'espace qui est offert au lecteur pour écrire dans le livre, pour en faire comme un outil, un accompagnement qui peut initier un vrai changement. Oui, parce que je suis en train de lire le livre et de répondre à ces questions et je trouve justement très intéressant parce que ça nous oblige à réfléchir plutôt que de lire superficiellement, en fait, de s'arrêter, de se poser les bonnes questions et de se dire qu'est-ce que je vais répondre là. Oui. Et du coup, je trouve que ça aide à avancer, en fait. Oui. Mais est-ce que c'est une maladie du 21e siècle de vouloir trop en faire, d'avoir cette charge mentale dont on parle beaucoup? Est-ce que c'est spécifique à maintenant? Moi, je crois qu'il y a des défis qui sont spécifiques. Alors, je n'étais pas avant, oui, mais aujourd'hui, j'aimerais répondre deux choses. C'est d'une part, j'avais lu dans un livre qu'à l'époque, les photos des riches ou des personnes qui étaient accomplies, on les voyait assises au bord d'une piscine. Le fait de ne plus rien faire, entre guillemets, est un signe de « je réussis ma vie ». Et il me semble qu'en 2021, c'est l'inverse. Donc, il y a comme un message tacite ou qu'il est là tout autour de nous que plus j'en fais, plus je peux montrer que j'en fais, plus ça veut dire que je suis une personne à succès. Et on est quelque part tous pris là-dedans. Et puis, je pense que l'autre défi du 21e siècle, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est le fait qu'on est constamment connectés les uns aux autres et que constamment, on peut voir ce qu'une autre personne fait. Et une certaine image de ce que l'autre personne voilà, fait. Voilà, qui n'est pas forcément la vérité. Exactement, oui. La famille idéale où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est parfait. Oui. Ça donne un peu des complexes. Et puis justement, vous avez dit, je trouve très intéressant, avant d'être au bord d'une piscine tranquille, c'était un signe de succès. Aujourd'hui, au contraire, on a des fois presque honte de dire « Ah ben, je suis bien, je suis tranquille, j'ai pu lire, j'ai pu aller me promener. » On a l'impression que c'est mal vu. Je peux d'ailleurs vous faire une confession. Tout à l'heure, j'étais avec mon mari et comme vous l'avez dit précédemment, j'ai quitté mon emploi à la fin de l'année, et maintenant je suis en formation, mais ça veut dire que je suis indépendante dans la gestion de mon temps. Et je disais à mon mari, comment est-ce que je sais si j'en fais assez, voilà, ou si je suis en train de juste profiter de la vie? Donc, on vient d'avoir cette discussion, en fait. Oui, profiter de la vie, on a l'impression que c'est... on n'a plus trop le droit. En tout cas, ça ne fait pas bien. Voilà, c'est un défi. Mais alors, votre livre, est-ce qu'il est écrit pour les femmes uniquement, ou bien... les hommes peuvent être aussi un peu avoir ce souci-là? Alors, vous l'avez certainement lu, la préface, elle a été écrite par un homme, Paul Hemmes, qui est un ami à nous et qui nous a dit qu'il a été très impacté par la lecture de ce livre. Je crois que toutes les thématiques de ce livre s'appliquent à l'être humain. Voilà. Et même déjà aux ados, aux jeunes, ça s'applique à l'être humain. Maintenant, quand on a écrit ce livre, on a choisi, comme on dit, un public cible. On a choisi à qui on désirait s'adresser en priorité et on a choisi les femmes. Ce qui veut dire que les exemples ou l'application, elle est plus spécifique
à la réalité de la femme du 21e siècle, et notamment une femme qui, en général, est mariée et a des enfants, ce qui n'est pas le but d'exclure qui que ce soit, mais qui représente la majorité. D'accord. Et d'ailleurs, vous le dites dans votre introduction aussi, c'est que ce livre est écrit, effectivement, vous avez choisi un public cible, les femmes, donc il est écrit au féminin, oui, mais que ce serait intéressant aussi pour les hommes de le lire avec ce texte écrit au féminin, alors que nous, en tant que femmes, on est souvent habitués à voir des textes écrits au masculin. Voilà. Et je trouvais intéressant l'idée d'inverser les choses une fois. Une petite touche d'humour, mais qui exprime tout de même quelque chose. Exactement. Et puis aujourd'hui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux et tout ça. On a l'impression qu'il nous faut être performants partout. Il faut être performant à la maison, il faut être performante en tant qu'épouse, il faut être performante dans son travail, il faut être performante dans son travail d'église aussi. Oui. Puis au bout d'un moment, on se dit, c'est pas possible. Ouais. Mon analyse, c'est que cette notion de performance, je crois que c'est un des plus gros problèmes auxquels on fait face actuellement. Mmh. Et moi-même, je viens d'une famille où je crois que cette notion de performance est assez forte. Si vous voulez, la notion de d'échec ou la notion de faiblesse, on n'ose pas trop l'aborder. On se montre sur notre meilleur jour, puis il faut y aller. Mais je crois que ce n'est pas que ma famille, je crois que c'est plus global. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un cheminement que j'ai dû faire. Et qui a conduit notamment au chapitre sur le succès. Mmh. C'est cette réflexion de se dire, finalement, comment est-ce que je vais définir un jour que ma vie, elle aura été réussie? Est-ce que c'est par les publications que j'aurais mises sur Instagram, par ma cote de popularité ou les likes? Qu'est-ce qui va définir, en fait, que ma vie aura été un succès? Et ce qu'on aborde dans ce livre, c'est cette notion entre le faire et l'être. Et alors, moi, j'ai grandi dans le canton de Vaud, en Suisse. Et puis, notre culture est une culture qui n'exprime pas tellement les émotions. On est plus dans le faire et dans la performance. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à retrouver au niveau de l'être. Et il me semble que de plus en plus, au niveau de ce qui sort, au niveau des écrits, de l'éducation, de la pédagogie, ça revient. Et c'est bien. Ça revient. Mais qu'est-ce que c'est dur de changer les mentalités? Ah, ça, c'est un autre sujet. Mais justement, là, vous avez parlé tout à l'heure, comment est-ce que je vais pouvoir dire que ma vie est réussie? Mais justement, alors, comment gérer les échecs de nos vies? Parce que les réussites, c'est bon. Ça, en général, on gère, on les montre sur Insta, sur Facebook, enfin voilà. Mais comment est-ce qu'on peut gérer? Et comment est-ce qu'on peut apprendre aux petits à gérer les échecs? Parce que finalement, il n'y a aucune vie sans échec. Alors, c'est Winston Churchill qui dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup ça. Mm-hmm. Je crois que votre question, elle est très importante, et notamment aussi dans l'Église. Parce que dans l'Église, des fois, on a aussi cette culture de victoire. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. C'est résumé, mais il y a quand même des fois, voilà, ce n'est pas tout simple. Et c'est vrai que les réseaux sociaux mettent en évidence le succès. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est que nous avons tous des échecs. Exactement. Et que les échecs, ils font partie de la vie. Mais de pouvoir parler et vivre nos échecs demande de l'authenticité, de la vulnérabilité. Mm-hmm. Et ce n'est pas facile. Mm-hmm. Ce qui, moi, me fait réfléchir, c'est que, voilà, quand on a des enfants, on sait, les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils tombent plein de fois. C'est comme il dit Winston Churchill. Exactement. Ils vont d'échec en échec sans perdre leur enthousiasme. Et à un moment donné, ils marchent. Mm-hmm. Et je me disais, c'est à quel moment qu'on perd ça? Parce que finalement, en tant que parent, quand on voit notre enfant qui tombe en apprenant à marcher, on n'a pas de souci. On sait que, enfin, on ne devrait pas, parce qu'on sait que ça fait partie de l'apprentissage. Peut-être aussi quand même des personnes qui accompagnent. Comment la personne qui est à côté de moi va m'aider à digérer l'échec? Parce que... on ne va pas parler tellement de ce qui se passait avant, mais il y a quand même eu une période de vie où quand on faisait un échec, ou quand il y avait un échec, on se faisait taper sur les doigts. Ah oui, je l'ai vécu. Donc, il ne faut même pas remonter très, très loin. Non. Donc, voilà. Tandis que selon l'accompagnement du parent, de l'éducateur ou même de mon collègue de travail qui va me dire oui, là, je suis désolée, je me suis trompée. Comment l'autre va réagir? Est-ce que je vais me faire taper sur les doigts? Ou bien va me dire, non, écoute, parfois, ça arrive à tout le monde. Et puis, l'idée, c'est de repartir. C'est ça. Et je crois qu'en tout cas, pour ma propre vie, il y a deux points qui m'aident à gérer l'échec. Parce que l'échec, il fait partie de ma vie, comme il fait partie de la vie de tout le monde.
deux points qui m'aident. Le premier, c'est de savoir qui je suis. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce chapitre qui est tout au début du livre, mm-hmm. qui s'appelle « Essentiel ». Pour d'une part dire, finalement, je ne suis pas indispensable, le monde peut tourner sans moi, mais en même temps, quand Dieu m'a créé, il m'a créé avec une identité mm-hmm. unique. Mm-hmm. Et ce serait trop dommage que je ne puisse pas mettre en évidence cette belle personnalité que Dieu a donnée à moi et qu'il a donnée à personne d'autre. Donc, plus je peux être en contact avec qui je suis et l'accueillir sans me comparer, exactement. Plus je vais pouvoir après gérer le succès ou l'échec. Et puis l'autre point qui je trouve est tellement magnifique pour nous en tant que chrétiens, c'est cette notion de grâce. C'est de savoir que Dieu, il m'aime tendrement. Que Dieu, lui, il est moins dur avec moi que je le suis moi-même. Dieu, il m'accueille. Il sait que je vais me tromper. Il sait que je vais avoir un échec. Et j'ai l'impression que des fois, c'est moins un problème pour lui que ça l'est pour moi. Mais d'arriver à me connecter avec mon Papa Céleste mm-hmm. et de me connecter avec son regard d'amour, ça, c'est pour moi la clé indispensable mm-hmm. pour toute ma vie, mais notamment par rapport à cette notion d'échec. Ouais, d'accord. Ok. Et puis justement, là, vous avez aussi parlé d'éléments indispensables hein, qu'il y a besoin dans notre vie. Alors, est-ce que ce sont les mêmes quand on a 20 ans ou quand on en a 60 comment est-ce qu'on peut trouver quels sont les éléments qui devraient être indispensables dans la vie de tous, en fait? Oui. Alors, c'est un petit peu aussi le but de ce livre, c'est de se dire, il y a des choses qu'on peut se dégager, mais il y en a d'autres qu'on doit garder. Et ce regard bienveillant du Père que je viens d'aborder, pour moi, c'est le numéro un. D'accord. Depuis le premier jour de ma naissance jusqu'au jour de ma mort, je voudrais savoir que Dieu, mon Père, me regarde avec ce regard bienveillant et vivre sous ce regard-là. Et puis, l'autre point auquel je réfléchis ces temps, c'est quand je lis la Bible, c'est cette notion de d'obéissance à Dieu. Alors, ce n'est pas un mot qu'on aime forcément tellement. Mais si on regarde de la Genèse à l'Apocalypse, que ce soit dans ce que Dieu a dit au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament ou dans ce que Jésus a dit à ses disciples avant d'aller à la croix dans l'évangile de Jean, cette notion de l'obéissance, elle est présente mm-hmm. tout le temps. Mm-hmm. Mais c'est une obéissance vis-à-vis d'un Père aimant qui veut notre bien. Mm-hmm. Et je crois que c'est ça qui est indispensable. C'est quelle que soit ma saison de vie, quelle que soit ma position sociale, même si je viens d'avoir un échec, c'est égal pour Dieu. Mais si mon regard vers lui est sincère, et que, voilà, si j'ai fait des fautes, je lui demande pardon, c'est simple pour lui. Exactement. Et que je cherche à lui obéir tout au long de ma vie, quelle que soit ma saison et quels que soient mes défis et mes victoires, je crois que ma vie sera réussie. Mm-hmm. Mm-hmm. Très intéressant. Mais justement, dans notre vie, alors, il y a cet élément indispensable qui est dans la relation avec Dieu, hein, qui nous accepte, qui nous accueille tel que nous sommes. Mais justement, pourquoi, alors, est-ce que dans la vie de tous les jours, on a tellement de peine, des fois, à dire non, à savoir un peu, à fixer nos limites. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, le premier chapitre, c'est bien se connaître. Et si je me connais, je sais jusqu'où je peux aller. Mm-hmm. Et c'est clair qu'à 20 ans, je peux aller sûrement plus loin qu'à 60. Parce que, voilà, les forces diminuent avec l'âge. Mais pourquoi est-ce qu'on a de la peine à se fixer des limites? Mais finalement, je me dis que c'est nous qui avons peur pour nous. Parce que souvent, les autres sont capables d'entendre un « non, je ne peux pas » ou « non, ce n'est pas dans mes capacités ». Enfin, voilà. C'est une question où on pourrait prendre un long moment pour y répondre. C'est vrai que dire non, c'est un défi. Parce que, comme vous dites, en tout cas, je vais répondre pour moi personnellement. Dire non, ça veut dire que je dois accepter mes limites. Je dois accepter que, en fait, là, je suis arrivée à la limite et je ne peux pas aller plus loin. Et je dois oser dire non sans savoir la réaction de l'autre. Alors, peut-être qu'elle sera bienveillante, comme vous l'avez évoqué. Peut-être qu'elle ne le sera pas. Mais ça, c'est la responsabilité de la personne et pas la mienne. Ma responsabilité est de me connaître et après de mettre ses limites. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette société qu'on parlait tout à l'heure, où tout va très vite, où il faut faire, quelquefois, on ne sait plus s'écouter. Ce matin, j'écoutais un podcast d'une femme qui parlait sur le cycle menstruel et qui disait qu'elle est spécialisée pour aider les femmes à reconnaître leur corps, leur cycle et notamment la contraception naturelle. D'accord. Mais ce qu'elle disait d'intéressant, c'est que les femmes ne se connaissent pas. Les femmes ne connaissent pas leur cycle. Les femmes ne savent... Ouais, elle disait qu'il y a besoin de réapproprier cette féminité de manière positive. Souvent, ce que je dis aussi dans ce livre, c'est est-ce qu'on connaît notre rythme biologique ?
Il y en a qui sont des couches tard, il y en a qui sont des couches tôt. On a des rythmes biologiques qui sont différents. Mais la société veut nous dire qu'on doit... tous être pareils. On doit tous être pareils et surtout se lever tôt, se coucher tard et puis être au taquet tout le temps. Mais ça, c'est faux. Et à un moment donné, on doit arriver à mettre ça de côté pour s'écouter, écouter notre corps, écouter nos émotions, écouter notre esprit. Et puis pour pouvoir faire ça, et là on va arriver à autre chose, pour pouvoir s'écouter, on n'a pas le choix que de devoir s'arrêter. Exactement. Mais peut-être juste avant qu'on parle du repos, mais je trouve justement très intéressant, c'est de se dire que c'est accepter de me dire jusque-là je peux, plus je ne peux pas. C'est donc accepter aussi que j'ai mes limites et que ce n'est pas une tare que d'avoir ses limites. C'est ça. Et quand vous parlez du repos, on va parler de ce repos parce que j'ai été très touchée par votre chapitre sur le repos, sur le sabbat biblique. Alors, je pratique le sabbat biblique depuis que je suis petite. Je trouve intéressant de voir comme c'est une notion qui vient de plus en plus. Oui. C'est comme si quelque chose... Parce que oui, le repos biblique, on le connaît. Alors, il y a ceux qui le pratiquent de manière très light, il y a ceux qui le pratiquent de manière plus, arrêtée, de dire, je vais m'arrêter, je vais me poser en famille, je vais peut-être prendre du temps dans ma relation avec Dieu, je vais prendre du temps avec les autres, juste souffler. Et pourquoi c'est une notion qui a autant de peine à prendre? Parce que finalement, c'est qu'un bienfait. Et Dieu nous l'a donné, c'est pas par hasard. Non, et de penser que Dieu, quand il a créé le monde, la première chose qu'il a faite, c'est de se reposer. Enfin, je trouve que c'est extraordinaire parce que Dieu, il n'en avait pas besoin. Mais si c'est la première chose qu'il a montré à l'être humain, c'est le repos, c'est qu'il devait savoir qu'on aurait de la peine. Du coup, je ne sais plus trop ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil, là. Mais c'est vrai que dans la société actuelle, le repos n'est pas... C'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas tendance. Et quelque part, il y a la notion de dire « Ok, je m'arrête. » Puis après, s'arrêter et rester paisible et pas culpabiliser. Exactement. Et c'est pas simple. Mais nous, ce qu'on observe dans notre famille alors qu'on pratique le sabbat, c'est que ça change toute notre semaine. C'est un jour, mais les conséquences, elles sont sur tout le reste de la semaine, parce qu'il y a vraiment comme un renouvellement qui se fait, une créativité. On se reconnecte les uns aux autres, on vit les relations différemment. Quand on est en couple, et surtout quand on est parent, par exemple nous là avec nos trois enfants, la plupart du temps, quand on discute, on est dans le fonctionnel, parce qu'on doit organiser, voilà. Absolument. Et puis, si on s'arrête à ça, notre relation de couple, elle ne va pas tenir. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des temps en couple en dehors, pour reconnecter, mais différemment, dans le cœur à cœur. Et en fait, dans la société dans laquelle on vit, on est dans le fonctionnel, on fonce. Exactement. Et si on veut vraiment chérir notre relation avec Dieu, on n'a pas le choix qu'à un moment donné de s'arrêter et de couper. Mais votre question, c'était pourquoi on n'y arrive pas. Moi, je crois qu'une des raisons pourquoi on n'y arrive pas, c'est que nous sommes dans un monde qui cherche à tout contrôler. On aime bien avoir le contrôle sur tout, maîtriser. Et d'ailleurs, cette pandémie, elle a été très défiante. Et ce qui se passe juste là actuellement aussi en Ukraine, ça nous défie complètement parce que l'incertitude est là et l'être humain n'aime pas ça. L'être humain, il aime cette sécurité de savoir ce qui se passe. Quelque part, le sabbat, c'est de s'arrêter. Quelqu'un disait, c'est rendre le contrôle à Dieu. Et j'aime ça. Mais ça veut dire, le monde peut continuer de tourner sans moi pendant 24 heures. C'est ça. Alors, ça paraît évident quand on le dit, mais en fait, ce n'est pas simple. Et je crois que c'est là où ça vient nous chercher. Oui, très intéressant en tout cas de remettre en valeur ce temps. En fait, c'est 24 heures de pause. C'est ça. 24 heures où je me reconnecte avec Dieu, avec ma famille, exactement, avec les autres. Et c'est vrai que c'est une richesse que malheureusement on a perdu au fil du temps, et je trouve vraiment très intéressant de le remettre au goût du jour, et vraiment ça m'a beaucoup interpellée, parce que après il y a l'autre inconvénient entre guillemets, c'est que quand on le pratique depuis de nombreuses années, on en perd peut-être la saveur. Le fait de se dire, mais pourquoi est-ce que je me pose? Parce que c'est une habitude,
ou bien est-ce que je me pose parce que j'ai envie de me reconnecter, parce que j'ai envie de lâcher prise, en fait. C'est pas toujours évident, surtout encore hein, dans la société d'aujourd'hui. Hein. Et puis même, je veux dire, pour un peu que vous pratiquiez du jardin, ce que j'ai cru comprendre, si on voit, on fait un peu de permaculture ou comme ça, on se rend compte combien de temps en temps il faut laisser un peu la terre se reposer. Mm-hmm. On a tous besoin de ce repos. Je trouve que le jardin, plus j'en fais, plus ça me parle. C'est exactement. Parce que c'est aussi une dame qui disait, une fleur, elle éclot qu'un temps. Mais notre société, elle voudrait qu'on soit fleuri tout le temps. Intéressant, ouais. Et ça m'a beaucoup parlé. Ouais. J'ai le droit d'être une fleur au repos. Parce que pour une fleur, on ne se pose pas la question, c'est normal. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup aimé cette image. Ouais, tout à fait. Et comme vous dites, il y a ces saisons. Et en fait, en hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est les racines. C'est les racines qui se développent qui se fait, et qui vont permettre après la croissance. Qui fait que maintenant, petit à petit, on voit des choses qui émergent. Et ça, c'est tellement magnifique. Voilà. Voilà. Et puis, j'aimerais juste rajouter encore, même si on prend ça d'un côté plus business, c'est un homme d'affaires qui disait le problème dans les sociétés, c'est que les personnes ont tellement de charges de travail que ça tue la créativité. Mmh. Et il disait, il faut mettre des pauses, même dans la notion de travail, parce que ça régénère la créativité. D'accord. Ah, intéressant. D'accord. Peut-être une dernière question, parce que malheureusement, le temps passe. Alors, fixer ses limites, se reposer, faire des choix, finalement, ce n'est pas un peu égocentrique? Alors, peut-être que c'est ce que certains vont penser. Et c'est vrai que moi, je lutte personnellement des fois avec cette pensée, justement. Ouais. Mais non, je crois que non. Je crois que si Dieu, il m'a créé, il veut que je prenne soin de moi, mmh. que je prenne soin de mon corps, de mon physique, de mes émotions. Et Dieu, il ne souhaite pas que je sois toujours surbookée, que je puisse voir personne et que je me sente épuisée tout le temps. Mm-hmm. Je ne crois pas que je lui rends honneur. Mm-hmm. Alors peut-être que voilà, le message de la société, il est ce qu'il est. Mais moi, j'ai envie d'honorer mon Créateur en prenant soin de moi, en apprenant à dire non, en apprenant aussi à du coup être plus efficace dans ce qui m'appartient parce que j'aurais mis de côté ce qui n'est pas pour moi. Mm-hmm. Alors c'est un chemin. Mais je crois justement qu'on doit se dégager de ces mensonges-là et d'oser se dire, si je prends soin de moi, je rends service à mon Créateur, je rends service à mon couple, je rends service à ma famille, mm-hmm. et je pourrais plus simplement être la personne que Dieu a créée mm-hmm. en moi pour que je puisse apporter ce qu'il veut que j'apporte. J'aime beaucoup l'idée de mettre en avant d'être la personne que Dieu a voulu pour moi, en fait. Je trouve ça, c'est vraiment magnifique. Et puis, ma dernière question, ce sera, pourquoi lire ce livre ? Pour pouvoir être la personne que Dieu a. Vraiment, en fait, notre but en écrivant ce livre, c'était de rejoindre les femmes et de dire aux femmes, on comprend ce stress, on comprend les défis. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Et on espère qu'au travers de ce livre, les femmes ou les hommes vont pouvoir être accompagnées dans un cheminement pour oser élaguer, mettre de côté ce qui n'a plus besoin d'être, pour pouvoir saisir ce qui va les aider à entrer pleinement dans leur destinée. D'accord. Merci infiniment. Parce que on aurait pu encore rester là un long moment pour parler. Je trouve ce sujet vraiment passionnant, qui va un peu à l'encontre en fait, de ce qui se vit actuellement, mais qui est en fait l'essentiel. Alors, je trouve ça magnifique. Alors, merci beaucoup, Karine, d'être venue, d'avoir pris le temps de venir nous parler de ce livre, donc indispensable. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, ce livre est paru aux éditions Campus pour Christ. Il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé à Renan, en Suisse. Vous avez le site web qui s'écrit en bas de l'écran. Pour les autres pays, eh bien, vous pouvez prendre directement contact avec Campus pour Christ parce que je crois que dans les autres pays, il n'est pas encore largement diffusé, mais j'espère que ce n'est que... Enfin, que vraiment, il va être diffusé un peu partout. Mais si jamais, en tout cas, ou bien vous pouvez même écrire à Espoir Média, on vous donnera les adresses dont vous aurez besoin. Alors, merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur Advent Play. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission, Lire des livres. À bientôt !